tous et à toutes, nous partons cette fois-ci pour une soirée. Eh bien, vous allez voir, c'est les 18 ans. On va laisser passer une petite moto qui arrive derrière. Donc évidemment, je tiens à saluer eh bien toute l'équipe de Radio Ornithorynque que en fait, j'assiste pas à l'émission aujourd'hui puisque voilà, je suis en déplacement, donc ça arrive. Hein. Franchement, c'est pas vous, mais moi, Fabien me manque. Alors, non pas que votre présence me déplaît, quoique, mais non, franchement, je suis sûr qu'ici, il aurait été mais complètement fou. Là, franchement. Ça m'embête vraiment parce qu'il y avait un gros événement ce week-end, c'était les 24 heures de la bille et malheureusement moi je travaille à côté donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie hein. Voilà, mais de toute façon on se reverra dans une autre émission plus tard, un autre dimanche, et bien avec le meilleur des dédicaces. Dans la voiture, ce que j'écoute en fait c'est des musiques 2090 en fait, on va dire ça, dans ces années là ah non, je serai actuellement cette année à la fête de la musique le 21 juin en centre-ville de La Ferté-Bernard. On va encore faire comme il y a 2 ans, je crois, ou 2 ou 3 ans. Non, il y a 2 ans, non, il y a 3 ans que. Enfin, je sais plus, voilà. Les années défilent à une vitesse. Ça avait cartonné. Je vous remettrai le lien de la vidéo de il y a 2 ans, je crois. Et on verra ça ensemble. Pour cette année, ce sera différent. Ça va encore plus bouger. Alors, on va voir si tu vas. On va pouvoir préparer dans la soirée. Il y a 80 personnes à peu près durant la petite danse et les petits jeux. Voilà, donc la sono est dans la voiture. Et on y va, c'est parti, en route pour une soirée, évidemment, avec le beau temps. Et voilà, mes amis, on est arrivé à la salle de danser. On va visiter ça. On vient juste d'arriver. Bonjour! Ça va, très bien. Non, bah, impeccable. Et voilà la découverte des lieux, les amis. Nous, on va se placer là-bas, au fond. Voilà, donc on décharge le matériel. L'animation en fait c'est en général ce que vous faites, hein, l'animation, la sonorisation,
Et ne mettez pas les liens Facebook, les liens de votre site internet, les liens d'email, vos emails. Numéro de téléphone, on peut le mettre. Mais il faut savoir quand même que vous n'allez peut-être pas avoir forcément le numéro de téléphone éternellement avec vous. Donc voilà, c'est une banderole qui passe partout. Hein, et il faut simplement marquer le principal. Après, pour les contacts et vous joindre, mettez ça plutôt sur vos cartes de visite parce que vous pouvez en recommander à volonté. Tandis qu'une banderole, vous pouvez en recommander encore. Mais il faut toujours refaire la mise en page et tout ça. Donc, juste le nom de prestation et voilà, votre nom d'artiste. Hein, voilà, c'est ce qui vous met en valeur. Donc après, les gens vous retrouvent, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va la mettre maintenant. Allez. Bon, ben voilà ce que ça donne, les amis. La banderole est mise. Bon, c'est pas l'idéal, elle est pas très bien tendue, mais bon, voilà, on va faire avec. Hein. Ah, un rafraîchissement, ça fait du bien. Bon, ce qui est génial, c'est que eh bien, je suis arrivé, j'ai vu un petit peu les organisateurs, ils m'ont préparé eh bien, mon petit café. Voilà pour la soirée, parce qu'en fait je leur ai expliqué que j'étais de soirée déjà hier soir. Et comme c'est férié demain, donc en fait ils ont prévu de faire bien l'anniversaire des 18 ans ce soir, un dimanche soir. Donc ça me rappelle un petit peu l'époque où j'étais un petit peu en discothèque, où j'animais le vendredi, samedi soir. Donc là c'est le samedi et là le dimanche soir. Ouh, ça va aller, ça va le faire, j'ai l'habitude. Et puis de toute façon, je pense que là on va être là pour s'amuser. Donc tout est prêt, tout est installé, le matériel, donc il y a 2-3 petits réglages à faire. Voilà, donc le micro réglé. Et puis bah, je vais boire mon petit café. Hein. Allez, on va boire ensemble si vous voulez. Vous avez du sucre ? Belle petite salle. C'était un ordinateur. On va voir ça. Je vais vous montrer un petit peu. Je vous attrape. Hop. Regardez-moi. Alors. C'est une salle qui a été faite il y a plusieurs années déjà, donc ça a été rajouté, cette partie-là, toute cette partie-là. En fait, c'est un préau, là ici vous avez toute la salle, là toute la salle est faite. Ça devait être sûrement une ancienne école, donc ils ont agrandi en salle. Donc évidemment, l'idéal dans les salles, c'est le carrelage d'un côté et au centre, le parquet. Ça c'est bien, ça isole bien. Et regardez, ici c'est la façade de l'ancienne maison, c'est une ancienne bâtisse. Regardez comment c'est chouette. On se croirait déjà extérieur, en fait. C'est un bâtiment qui a été rallongé. Donc c'est génial. J'adore ce genre de salle-là. Eh bien, si vous ne savez pas où on est, eh bien, nous sommes à Dancé, dans l'Orne, dans le 61, pour un anniversaire. Donc il y a une centaine de personnes. Voilà. Enfin, un petit peu moins quand même. Hein. Donc, eh bien, si je vous présente un petit peu les tables, ici, hein, la grande tablée ici, c'est que des jeunes. Donc, pour les 18 ans, évidemment, hein, c'est tous les âges. Et là, c'est un peu plus familial de ce côté-là. Voilà, donc moi je suis placé ici tout au bout pour discuter avec, avec les personnes dans la salle. En général, on est toujours... Ah, qu'est-ce que j'ai oublié? Bah voilà, tête en l'air comme je suis, mon café. Le travail avant tout, il y a des fois, ça fait du bien de manger un petit peu et de boire, surtout de prendre des vitamines. Alors voici le tout dernier projecteur acheté. Et j'ai décidé de le projeter sur les murs, donc c'est génial, ça rend vachement bien. Donc c'est celui-là qui est dos à nous, donc il est là. C'est celui-là, le petit projo qui fait des petits effets, des petits motifs, donc bien sympathique, hein. Moi j'aime bien, au rythme de la musique bien sûr, hein, et d'accélère. Hein. Donc moi je trouve ça sympa. Bon, et bien voilà, donc les invités sont arrivés, voilà, vous pouvez le constater dehors. Il n'y a personne ici dans la salle, à part moi. Ouais, des fois ça fait un petit peu du bien de se reposer et d'être seul, le temps de faire un petit peu encore les petits trucs à voir ensemble. Mais bon là, ça va, je suis avec vous, donc il n'y a pas de problème, on est tout seul entre nous. Voilà. Les invités sont à l'extérieur en train de boire l'apéritif. Vous l'avez remarqué, au fond de la salle ici, il y a des ballons. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme jeu avec des ballons? Eh bien, ça va vous de réfléchir. Non, on verra ça tout à l'heure, vous inquiétez pas. On verra ce qu'on va faire des ballons. De toute façon, j'ai ma petite idée. Hein. Vous aussi d'ailleurs.
suivre. Alors on fait une petite pause ou on continue? On commence en fort. Vous êtes chaud? Ouais, ça va le faire. Vous aimez l'été? Vous aimez la chaleur? Alors on se fait la danse de l'été. Juste là. Pour refaire la même chose, un sport. Ah, ouais. Ah, mais je l'ai cramé là. Ah, oui, là, ça va. Oui, ça peut être ça. Est-ce que c'est vraiment. Est-ce que ça a commencé comme ça? Je sais pas. Moi, je crois pas. C'est passé dans le cadeau. Ah, voilà. Je me retourne. Ah oui. Coucou Alex. Oula. Non, c'est pas ça. Alors. Non, c'est bien, vous avez bien mimé là, c'était bien. Mais ça a foiré quelque part, comme dit Alex, ça a merdé quelque part. Et bien maintenant, mesdames, messieurs, je vais appeler Alexis. Alexis, on l'appelle. Où est-il? Il est là-bas. Voilà. Donc je vais te demander simplement, eh bien, maintenant que tu m'as rejoint, tu vas aller te retrouver là-bas, derrière la table. Et les invités, vous pouvez tous vous lever, si vous le souhaitez, pour aller voir, l'événement que tout le monde attend. Forcément, c'est Alexis derrière le gâteau. Donc n'hésitez pas, levez-vous, allez les voir, admirez un petit peu le feu du gâteau.